Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nseke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live reaction au dernier épisode de Shingeki no Kyojin, donc Attack on Titan, saison 3, épisode 4. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le projet de faire un coup d'État avec Historia. C'est ça, exactement. Comme elle est l'héritière Légitime. légitime. Il avait appris un petit peu de son passé aussi avec sa mère et son Oui. père. Un passé sombre. Voilà, c'est très sombre, Un passé noir. très très sombre. On avait aussi appris un peu de héroïne aussi. Exactement, le passé d'Erwin, Voilà. c'est ça, avec son père qui était du coup prof d'histoire. Voilà, c'est ça. Mais qui. C'était un. Comment dire, le père était un révisionniste. Voilà. En gros, c'est ça. Mais voilà, un révisionniste. En bref, il a été tué parce que bon, il en savait un peu trop, tu vois. Et là, on savait un peu trop sur la vraie histoire, quoi. Donc Il en savait un peu, enfin, on l'a réduit au silence. pas qu'il en savait un peu trop, mais qu'il se posait trop de questions, en fait. Donc, je pense que tous les profs qui sont comme lui, ils devaient avoir le même programme, sauf que certains se posaient pas de questions, quoi, c'est ça, en fait. Mais après, ça c'est. Après, ça c'est logique, surtout dans leur univers à eux, c'est logique qu'il y ait des historiens qui se posent des questions Oui, pareil, c'est ça. sur tout Bah, ça. attention, c'est logique. C'est logique de se poser des questions sur l'histoire. Voilà, c'est ça. Tu peux pas, tu vois, tout n'est pas vérifiable à 100%. Il y a forcément des zones d'ombre, tu es obligé de te poser des questions sur des trucs. Exactement. Il y a des trucs qui peuvent être falsifiés. Bien sûr, voilà, quoi. Bien sûr. Et puis, oui, bah, il y a toujours la course pour récupérer Eren qui va se faire bouffer, quoi. Voilà. Bah, exactement, il faut récupérer Hélène. Alors Mikasa est déterminé. Ouais, Il faut récupérer Hélène. Voilà. Faut récupérer Enfin mon bon. boug, merde. Exactement. Allez, go. Moi, ça, c'est ceux qui traînaient avec Annie, là. Qu'elle voulait se faire, ouais, voilà, les faire prendre dans les bois. Voilà, seule dans les bois, au calme. Ouais, ça va, ils savent pas. Et il est devenu gangster lui aussi. Ouais, mais tu vois que ça lui déplaît de faire ça, tu vois. Évidemment, ça lui Ça se déplaît. voit son visage en gros, et voilà. Ah, le fils de l'autre. Gros porc. Elle a fait sa propre en plus. Il lui a fait une Batman. J'étais parti pisser une fois. Tu m'as fait rire là. Comment est-ce que tu l'as. J'étais parti pisser une fois, j'ai eu l'impression d'entendre un bel et je. Sans déconner, à quoi joues-tu? À quoi joues-tu? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. あんたにけなされるような筋合いはねえよ。
お前も自分の都合を通してみろ。さあ、ついてきてもらうよ、フレーゲル。やだ、もうあんたたちは負けたんだ。敗者なんだよ。何言ってんの。調査兵団は未だ負けたことしかないんだよ。 Ah, c'est exactement ça. Les chefs qui connaissent entre tous les tous leurs membres qui se font croquer régulièrement. Le choc. Ouais, c'est vrai qu'il était, était dans ce délire là qu'on l'avait vu l'autre fois. Contre l'injustice. Ok. Un petit coup de pression. En plus, il dit ça à un mec qui voulait même pas rejoindre le. Ah, et l'autre est revenu, donc voilà, donc il mérite de faire partie de l'équipe. Ils sont trop gangsters. Ouais, vraiment. Regarde-le. Bah, il va falloir le torturer. Je pense pas, mais bon. Mais maintenant, c'est bon. Allez, vous allez vous faire dégommer. C'est bien. Voilà. Hey, c'est nous.
Voilà. Exposed. Ta gueule. Oh putain. Ah carrément. Tu sais d'où? Toi, il y a quelques minutes, il nous donnait l'impression d'être une vraie baltringue. Il y a quelques épisodes même, tu vois, c'était encore... Et voilà. Tu vois quoi je te disais. C'est vrai qu'il y prend goût là. Éclater ses dents. Putain, roi qui a toujours les mêmes poses aussi. C'est la pose du mec qui se sent supérieur, tu vois. Bon bah voilà. C'est un épisode qui a un peu fait avancer les choses. De toute façon, il y a des épisodes qui font avancer les choses. Alors bon, bah toujours pas d'Historia ou d'Hélène. Alors là, on les a même pas du tout vus. Pas du tout. On les a pas vus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc bon, bah on vient de voir que Halloween s'est fait... Il va être condamné à mort. Ouais, c'est ça, il va être condamné à mort. Elle a été capturée et puis même... Elle est torturée aussi. Hein. Torturée. On voit... on a vu Levi continuer ses interrogatoires. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, il veut savoir où sont Historia et Hélène. Ouais. Pour pouvoir les récupérer. Et encore une fois, on apprend qu'il y a un autre Ackerman dans les parages. Oui, encore, exactement. Donc, Kenny est un Ackerman aussi. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit le... Enfin, de toute façon, je crois pas que ça ait été dit que ce soit le père de Levi. Je crois qu'ils ont juste dit qu'il l'a élevé, c'est ça? Ouais. Ouais, donc... Je crois qu'il est... Pourquoi il l'a élevé alors? Parce que maintenant, c'est pas, tu vois, comme par hasard, ils ont le même nom les deux, tu vois. Autant avant, on me disait, bon, bah, il l'a pris sous son aile parce que voilà, le truc de gamin des rues, le truc classique, tu vois. Mais bon, ça veut dire qu'il devait savoir que c'était son nom, donc il l'a pris sous son aile pour ça, quoi. Sûrement. Un truc comme ça, parce que... Sûrement. Bon, au moins, ça a permis de voir que ça a fait tilt dans la tête de Mikasa aussi, tu vois. Je me suis dit, merde, c'est quoi ces conneries, tu vois. Donc, à voir où ça va aller, ce truc-là. Donc, tous les Ackerman sont des badass, ok. C'est ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a eu le retournement. Oh, enfin, retournement. Ils ont réussi à convaincre les deux autres, là, au début, là, comment ils s'appellent? Marlo et l'autre. Là, exactement, la fille. D'intégrer le... Enfin, au moins de donner squad. Voilà, au moins de donner un coup de main, momentanément. Ils les ont testés voilà. Pour voir s'ils pouvaient... Ils étaient fiables. S'ils étaient fiables, et puis là, ils le sont. Ouais. Clairement, ils le sont. Et puis après... C'est Angie qui a retourné la tête de l'autre, le fils de l'autre marchand. Flaig. Ouais, c'est ça. Flaig, c'est ça. Ou Felk. Ouais, Felk, je crois, c'est Felk. Voilà. Voilà, qui, au final, bah, a décidé de... Il a décidé de soutenir le mouvement qui allait venger son père. Ouais. Et c'est bien, très bien. Ça a pu exposer la vérité aux habitants, quoi. Donc très bien. Donc c'était un épisode qui c'est ça qui fait avancer la chose, toujours un peu calme. Ouais. Alors mais bon. Je ne doute pas que les badasseries de Levi et Mikasa et compagnie vont arriver d'ici quelques épisodes. Voilà, de toute façon, ils sont tous gangsta, ils sont tous en mode gangsta depuis quelques épisodes là. Enfin depuis le début de la saison. Avec leur mode infiltration tout ça. Exactement. Mais ouais, j'attends de voir ce qui va se passer, surtout pour Erwin, parce qu'il est dans la merde. Personne qui peut le sauver, je crois. Donc...
On verra ça dans le prochain épisode. Yep. Voilà. Tous.